Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast L'été Luxury Tell, les talks du luxe et du retail. Je suis Sabine. Je suis Natacha. Et nous sommes ravis de vous retrouver pour cette saison numéro 2, dont le thème est le succès. Nous souhaitons inspirer nos auditeurs avec les success stories de nos invités. Cette saison, nous avons encore une fois des top voice qui échangeront avec nous leur métier, leur succès et leur mantra. Bonjour Thomas. Bienvenue dans les talks du luxe et du retail. Tu es notre cinquième invité et nous sommes ravis de te recevoir. Thomas, ce que tu peux te présenter Bonjour Sabine, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, nous sommes dans un boutique magnifique. Euh, je suis ravi de vous accueillir ici. J'ai une expérience un peu différente que d'habitude. J'ai 20 ans en France et d'origine britannique, euh, toujours dans le retail. Toujours avec des maisons de luxe, avec un maison avec une âme et un produit d'exception. Bon point étant une qui correspondent très largement à ces critères. J'ai traversé euh, plusieurs euh, étapes, plusieurs maisons différentes, des grandes grandes maisons françaises, euh, des petites maisons, euh, et aussi une expérience euh, en recrutement euh, en RH pour essayer de comprendre euh, de manière à la française. Oui. Ce n'est pas la même que le Royaume-Uni, hein, je vous garantis. Est-ce que tu as pu dé décrypter la manière à la française dont tu nous parles Oui, tout à fait. Euh, bah, c'est 20 ans que je suis là, hein, j'ai plus d'expérience ici en France que Royaume-Uni maintenant. Je suis plus français qu'anglais. C'est vrai, on entend à peine ton accent. <laughs> et, euh, et là, en fait, on est dans la boutique Tournon, mais c'est incroyable la boutique. Elle fait combien de mètres carrés, la boutique Il y a plus de 1000 mètres carrés de surface. On exploite à peu près 500 en vente. Euh, il y a des espaces euh, dédiés au showroom et au display euh, pour d'autres euh, parties de notre business, mais il y a la boutique lui-même, euh, moulure au plafond, parquet au sol, euh, 19e siècle euh, à la française. Oui, et tu nous disais justement que c'est un ancien hôtel particulier Tout à fait. Voilà, donc c'est pour une maison de, de, de luxe pour enfants. Je peux vous dire, on va, on va vous faire des vidéos, c'est un régal, j'imagine, autant pour les enfants que les parents. Ah, les enfants, ils courent partout, c'est chez eux, et les parents, ils se régalent parce qu'il y a de la place. On n'est jamais trop nombreux ici. Et justement, par rapport à cette boutique, au niveau des de stratégies retail, qu'est-ce que vous mettez en place Comment ça se passe au niveau, par exemple, du merchandising, des activations pour créer cette expérience client autant pour les enfants que les parents Justement, c'est une particularité de Bonpoint, c'est qu'on a deux clients. On a l'adulte. Et on a l'enfant. Donc on crée un univers qui est accessible aux deux. Et c'est un, un vrai défi. Nos visual merchandisers euh, passent beaucoup de temps à trouver les astuces avec les couleurs, avec les textures, avec les pièces, autant commercialement, parce qu'on est là pour vendre aussi, mais également pour plaire à les enfants, pour les inciter à toucher, pour les inciter à um, essayer. Un enfant décide différemment qu'un adulte. Un adulte va avoir des idées sur le prix, sur la texture, sur la matière. L'enfant, c'est le dessin sur, sur le devant. Est-ce que ça a une texture douce Ou est-ce que euh, les filles, surtout, est-ce que je ressemble à une princesse C'est vrai en plus. Bah, J'imagine qu'elle ressemble aux à... oh, princesses vu les robes euh, que je vois justement. Et Thomas, est-ce que tu peux nous raconter euh, des collaborations récentes, des activations euh, qui ont généré justement du trafic ou, euh, ou euh, des retombées plutôt positives pour euh, bah, pour la boutique euh, Tournon ou à l'international également La boutique Tournon étant notre euh, flagship en termes d'image, euh, nous faisons régulièrement des collaborations. La dernière en date euh, avec une marque américaine qui s'appelle Kate a euh, a été lancé sur Madison Avenue et, en premier et arrivé ici quelques semaines plus tard avec euh, des événements tout au long de la mois de lancement, des visites via ici un baby shower au milieu euh, et des soirées euh, pour le personnel pour connaître euh, le produit. Et euh, finalement, ça a renforcé comment euh, l'image de la marque euh, par rapport à la clientèle américaine Ça a bénéficié plutôt à votre clientèle américaine ou à votre clientèle locale Plutôt le clientèle locale. La clientèle américaine étant déjà connaisseur de la maison Kate, chez eux, chez eux euh, ont très apprécié localement à New York la collaboration. Et ça a permis à Kate et Bonpoint d'avoir un appui sur le marché européen et français d'abord pour ah. euh, des collaborations futures. Super, ça c'est bien, Donc, une collaboration américaine et marque française. Et euh, également, on évoquait euh, la, la collab que tu fait avec la poussette YoYo. -Yo. Que moi j'ai utilisé également pour mon fils. Et euh, ça a fonctionné ou ça a super fonctionné Ça a super fonctionné. <laughs> C'était une collaboration qui a été lancée cet été, euh, il y a deux mois, au point qu'aujourd'hui, c'est victime de son propre succès. On était obligé de retourner vers le fournisseur, de demander qu'il fabrique encore plus, parce qu'il n'y a plus rien en stock. Ça a été sold out Totalement. Mais partout. Dans le monde En Europe En Europe. Complètement. Euh, et le monde, on essaye de trouver des astuces pour euh, mettre le stock où ça se vend. Oh ben, bien, ça c'est des bonnes nouvelles. Et, euh, mais toi justement, euh, tu, tu gères quel marché On ne l'a pas évoqué. Non, effectivement, je m'occupe euh, du marché européen. Je fais partie de la division Retail Europe. Euh, 17 magasins, Belgique, France, Monaco et l'Italie particulièrement. Il euh, y a trois boutiques en Italie. Euh, on a une flagship euh, Monégasque, le Côte d'Azur, Paris et certaines villes de province euh, de France, Lyon, Bordeaux, par exemple. Et euh, tout vient de, de Paris au niveau du merchandising, comment ça se passe C'est quoi ton rôle finalement J'ai un rôle de coordination, un rôle de coordinateur. Je suis responsable pour 17 boutiques euh, au travers d'Europe, l'Italie, euh, il y en a trois. On a notre flagship monégasque, le Côte d'Azur, dans les endroits habituels, Saint-Tropez, Cannes, etc. Certaines villes de province euh, en France et il y a 12 boutiques à Paris des flagships comme Montaigne comme à Tournon et des petites boutiques des quartiers comme euh, conseil Cancel Raymond Poincaré. Moi, je suis l'interface entre le siège et les directrices de boutiques et leurs équipes par ailleurs euh, du retail pur. Je suis aussi vendeur. Hein. Vous me trouvez derrière le comptoir en train de vendre, mais également formation, RH, le merch, la responsabilité pour les résultats surtout. Là, je vois tu as, as une multicasquette. Il y a un joli chapeau, un joli bob, mais euh, tu as, as multi… Ah ben non, il y a la casquette derrière. Tu as une multicasquette. Et euh, ben, euh, est-ce que tu peux nous partager finalement euh, les défis que tu rencontres dans la gestion de ces équipes retail Parce que moi, je, je situe tout à fait euh, les boutiques, les plus petites boutiques, telles que Courcelles, par exemple, ou ici, ou j'imagine après, les flagships à Monaco ou en Italie. Mais c'est quoi les défis que tu rencontres dans la gestion des équipes C'est quoi les plus gros défis que, que tu rencontres, auxquels tu fais face c'est une harmonisation d'un message centralisé. La maison <coughs> étant multiculturelle, multi-site, de trouver un astuce que pour le marché local, on perd pas notre euh, touche unique, mais à la même temps de traverser euh, un message euh, qui est centralisé, qui est global. Bien sûr. Euh, avec les équipes, c'est aussi euh, les différences culturelles, les normes différentes d'un pays à l'autre. Il y a malheureusement une pénurie de talents euh, au travers de l'Europe euh, en termes de vente pour les maisons de luxe. Bien sûr. Le recrutement, c'est rude. Euh, la formation, c'est aussi quelque chose qu'on doit systématiquement renouveler parce qu'il y a du turnover, parce qu'il y a des habitudes qui ne sont jamais mauvaises, mais qui ne sont parfois euh, pas forcément dans la direction que la maison souhaite d'emmener le, le business. Oui, oh, il y a des routines qui vont se mettre en place Exactement. qui ne correspondent pas forcément… Euh à ce que la maison attend, d'où les organismes de formation euh, qui sont là pour rappeler, pour motiver les équipes. Et euh, mais c'est vrai que euh, c'est pas nouveau. En fait, cette gestion euh, de l'humain, c'est ça qui est le plus difficile dans, dans, dans le Mais c'est Oui, c'est fascinant. Et euh, quand je préparais ce podcast, je voyais que vous aviez développé euh, un service Bon Point Vintage. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer comment euh, ça s'est mis en place, comment ça a été accueilli par vos clients? Bonpoint Vintage, c'est une partie de notre politique RSE. C'est le recyclage des anciennes collections. Bonpoint a une point très fort c'est que le produit dure des années euh, dans un état tout à fait utilisable et portable. Bonpoint Vintage a été créé sur quelques saisons en arrière, plusieurs années d'ailleurs, euh, jusqu'à 2017 en arrière, et on récupère en boutique. Les anciennes collections pour permettre les clients de connaître les nouveaux collections avec un rabais, une réduction sur l'actualité pour l'avoir remercié d'avoir de, rendu des anciens produits. Par exemple, moi, si je ramène les collections que j'avais, donc vous me les rachetez C'est ça. Vous me les rachetez et en plus, je bénéficie d'une réduction. Le prix de rachat est converti dans une cagnotte que vous, vous pouvez utiliser soit en ligne, soit en boutique. Okay. Oui, c'est intéressant. Donc, euh, en fait, ça permet, euh, votre stratégie, ça permet à chaque fois de, aux clients de racheter quelque chose de chez vous. Tout à fait. Et là, c'est dans le cadre de votre politique RSE. Absolument. Et vous avez d'autres actions euh, dans le cadre de, du, du RSE chez vous Tout à fait. Certaines de nos euh, collaborations avec Moonboots, avec Kate, par exemple, tout était lié à notre politique RSE parce que certaines de nos matières premières sont euh, bio, de plus en plus, le coton. Euh, et certaines des matières premières dans le cosmétique sont véganes, qui nous permettent de avancer beaucoup sur euh, un avenir pour la maison et pour la planète. Bien sûr, et justement par rapport à, tu parles de, de la beauté, ça c'est quelque chose qui existe depuis quand 2007, initialement. D'accord. Le cosmétique, le parfum est beaucoup plus ancien que ça. Ceux qui connaissent la maison. Euh, notre parfum a été créé euh, à la fin des années 70 euh, par une mais extrêmement connue qui était liée à la famille initiale de fondateur de la maison et c'est notre signature. Euh, Marketing Olfactive, avant Marketing Olfactive existait, toutes nos boutiques ont un diffuseur, on rentre et on sent bon point. Bah, mon fils a eu un... J'ai du parfum bon point depuis que mon fils est né. Donc euh, oui, c'est une vraie signature de la maison. Et euh... En 2024, vous avez remporté en fait les récompenses aux victoires de la beauté euh, sur un shampoing et, euh, et également sur une autre crème ou un autre produit de soins. Est-ce que tu peux nous en dire plus Je trouve que c'est assez, euh, que assez euh, extraordinaire. Une marque dont le cœur de métier, c'est la mode enfantine, se diversifie dans le secteur de la beauté et en plus gagne des victoires de la beauté en 2024. Oui, on est ravis. Hein. La maison euh, travaille très dur pour ce jour de prix. Notre shampoing chantilly, euh, c'est exactement ça. Ça ressemble à la chantilly, euh, était innovateur et surtout facilitateur pour les enfants. C'est l'idée, c'est l'autonomie de l'enfant. C'est un jeu. On lave les cheveux, on pique par les yeux. C'est dans un format sympa pour l'enfant. Et en plus de ça, c'est bon. C'est pas quelque chose qui présente un, un risque. C'est partie du RSE. La crème, c'était un crème corps. Euh, pour enfants ou adultes Les deux, parce que notre spécificité, c'est que on peut utiliser nos cosmétiques de la naissance jusqu'à où vous voulez. Euh, ils sont tous dermatologiquement testés sur les nouveaux nés donc ils sont entièrement acceptables pour les nouveaux nés pour les femmes qui allaitent, pour tout type de, de peau. Euh, on ne fait pas du anti-âge, on n'a pas besoin. On parle de l'enfant à la base, euh, mais c'est du soin, c'est de l'hydratation. Euh, et la crème qui a gagné était une crème riche, très hydratante. Bah, je vais l'essayer. Moi, j'adore les crèmes. Et euh, est-ce que tu as des, des anecdotes Je sais pas, des histoires qui te viennent en tête dans cette boutique ou ailleurs que tu voudrais partager avec nous Des anecdotes Il doit y en avoir plein. Oh, il y en a plein. Les appels à Monaco d'une certaine palace de l'autre côté de la baie pour habiller deux jumeaux euh, en express il y a 18 mois maintenant et qui sont aujourd'hui clients réguliers. Un Pokémon qui court ici même dans cette boutique il y a quelques semaines pour le lancement de notre collaboration euh, Pokémon euh, Beauté, le joueur des enfants. Quand il sort de la cabine d'essayage, le sourire, parfois, c'est juste merveilleux. Ça illumine une boutique. Euh, les cadeaux de naissance, c'est quelque chose qui fait partie de notre patrimoine, notre héritage. Un cadeau de naissance bon point est universel. Ça passe partout. Il n'y a pas de, de questions. Il n'y a pas de. Et le plaisir de recevoir et de donner. Euh, on fait euh, un effort supplémentaire avec les paquets cadeaux pour les cadeaux de naissance. Euh, parce qu'on sait très bien comment ils sont reçus en face. Et qui sont les plus capricieux ici, comme clients C'est les parents ou c'est les enfants Ça reste à prouver. Hein parfois, c'est les parents. L'enfant, non, je ne veux pas porter ça. Mais maman, je ne veux pas porter ça. Mais oui, j'adore, je veux porter ça. Et dans le sens envers, c'est pareil, moi, je veux ça avec les chiens dessus. Euh, parce que souvent aussi, la marbre bon point, c'est un moyen de déculpabiliser les parents, de s'offrir du luxe. Parce que, bon, c'est pour les enfants, euh, on décomplexe en se disant on est dans une marque de luxe, donc je vais finalement habiller mon enfant. Je ne vais pas forcément m'habiller moi en, en, avec une maison de luxe, mais mon enfant, lui, sera habillé par la maison de bon point. Parce que, bon, on peut dire, même si aujourd'hui les marques de luxe se diversifient dans l'univers euh, de l'enfant, vous, vous êtes vraiment euh, ancré en fait dans, dans cette histoire. 1975. C'est la date de notre anniversaire, de notre, notre formation, de notre création. Euh, notre diversifi diversification, c'est plutôt dans le sens inverse. On a fait l'enfant, on a fait les cosmétiques et on fait du print-apportation aussi. Une petite collection, une petite capsule euh, avec euh, une créatrice euh, relativement connue maintenant, qui apparaîtra dans les boutiques euh, dans les semaines et les mois à venir. C'est confidentiel actuellement, mais euh, watch this space. OK. Teasing. Alors, Thomas, on va arriver à la fin. Quel est ton mantra? Qu'est-ce qui te fait? Qu'est-ce qui fait que le matin, quand tu te lèves, quand tu es un peu comme ça qu'est-ce qu'est-ce qu qui te motive? Comment tu fais pour motiver tes équipes, pour les embarquer avec toi, pour garder toujours le smile? Euh, Est-ce que tu as un secret? La curiosité, la can-do. Il n'y a rien trop compliqué. Euh, il suffit de regarder la montagne et de trouver un chemin. Avec des cerises? Tout à fait. <laughs> « The cherry on, cherry on the cake », ce serait quoi Le cerise sur le gâteau Je pense que c'est la dédication et surtout le, le dévouement de nos équipes pour la maison. Bah, c'est une belle fin. Un grand merci à toi Thomas pour euh, ta participation. À bientôt À bientôt